Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue amis Verseau, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de mai. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages en retour et puis bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Merci en tout cas, hein, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage sentimental, bien sûr, s'adresse à nos Verseaux. N'hésitez pas à aller regarder aussi votre horoscope général que vous trouverez dans une autre vidéo dans ma playlist. Et puis n'hésitez pas à aller regarder, bien sûr, votre ascendant, votre signe lunaire ou bien Vénus pour plus d'informations. Quelquefois d'ailleurs, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis, si vous désirez venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances du jour, n'hésitez pas à venir participer. Voilà, amis Verseau, on va voir un petit peu côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai. Voilà, donc on va tout de suite voir avec le tarot psychique, hein, voir un petit peu ce que l'on a. Alors, bien sûr, en fin de tirage, j'irai chercher des petits messages pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Allez, tout d'abord avec le tarot psychique. Allez, c'est parti pour nos amis Verseau pour ce mois de mai. Côté cœur, côté sentimental, côté amical, vous prenez vraiment ce qui vous parle, les amis. Donc déjà, on a la lumière là, les Verseau. Alors, on fait la lumière, les Verseau, donc ça veut dire que vous allez, durant ce mois de mai, être beaucoup plus dans l'épanouissement. Donc peut-être, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Ça peut nous parler aussi, hein, si vous étiez en désaccord dans votre vie sentimentale, il peut être question de renouveau, de faire aussi de la lumière, hein, sur quelque chose qui était sombre, peut-être des vérités, peut-être aussi remettre un petit peu, chacun un petit peu d'eau dans son vin, par exemple. Hein, voilà, c'est un petit peu la lumière retrouvée. Donc ça représente aussi tout ce qui est votre sensibilité, vos émotions. C'est une période de sensibilité intense, peut-être après une épreuve qui a été angoissante. Alors ensuite, nous avons l'éveil. Bon, ben, l'éveil, c'est pas mal, puisqu'il y a des nouveaux commencements. Il peut être question de renouveau dans votre vie sentimentale, d'un second souffle, hein, si vous êtes déjà en couple et que là, vous avez vraiment vécu quelque chose d'angoissant ou des épreuves angoissantes, des épreuves intenses. Là, il est question ici que il y a vraiment, vous êtes en train de commencer soit un nouveau projet sentimental avec une nouvelle personne. Alors, il peut être question de nouvelles rencontres durant ce mois de mai ou peut-être être vraiment avec, vouloir accomplir aujourd'hui avec une personne où vous avez peut-être rencontré des difficultés, voilà, pas rencontré des difficultés, une épreuve angoissante. Alors vous verrez comment ça vous parle. Ici, moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a un nouvel éveil, il y a quelqu'un de nouveau. On pourrait voir aussi qu'il y a peut-être un redémarrage pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit bien que vous êtes en train d'accomplir ce que vous désirez côté cœur. Voilà, vous voyez, une situation qui vous a, qui a dû, hein, faire preuve d'endurance, de persévérance, mais c'est un petit peu votre force spirituelle que j'ai ici par rapport à ce que vous avez enduré, par rapport à toutes les situations que vous avez vécues. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que toutes les situations que vous avez vécues vous ont donné la force aussi aujourd'hui de voir et de savoir un peu dans ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, hein. Donc aujourd'hui, vous êtes bien déterminé. Là, on voit bien que vous avez envie d'entreprendre de nouveau. On a ce courage ici, mais on cherche la stabilité, hein. Donc pour moi, même si vous avez été fatigué ou abattu, hein, par des situations, ici, je pense que vous avez peut-être enduré pas mal du tout, pas mal, beaucoup dans votre vie sentimentale. J'ai essayé de ne pas bafouiller. Mais c'est aussi ce qui vous a rendu beaucoup plus fort. Alors peut-être qu'il y a des cicatrices aujourd'hui, hein. Il y a quand même un nouveau départ. Alors peut-être que vous faites attention de ne pas commettre les mêmes erreurs, c'est fort possible. Alors on va aller chercher six autres cartes pour nos amis Verseau. Alors vous voyez, il y a aussi une belle transformation, hein, qui nous parle. Là, il y a la lumière pour vous, hein.
Donc vous verrez comment ça vous parle, hein. Ça veut dire peut-être que la personne que vous connaissiez, la personne de votre cœur, peut-être que ça a été dur aussi, vous avez vécu des passages difficiles avant de consolider, avant de construire. Pour d'autres, on verra qu'il y a une nouvelle rencontre aujourd'hui. Donc vous faites très attention à ce nouveau commencement, puisqu'on voit bien qu'il y a un passage aussi dans votre vie que vous avez dû endurer beaucoup. Là, c'est un peu la fin des épreuves, un peu la fin des épreuves ou des angoisses. En tout cas, ici, on va vraiment transformer quelque chose. Donc, c'est un petit peu qu'on a peut-être dû aussi cicatriser ces blessures. Ici, on nous parle de transformation pour certains d'entre vous. Donc, pour moi, il y a quelqu'un ici qui arrive dans votre vie. On cicatrise un petit peu tout ça et voilà, la carte, c'est vraiment que là, il y a vraiment un changement dans votre vie professionnelle, dans votre relation. Peut-être que vous venez de mettre fin ou que vous avez mis fin à une ancienne relation. Le temps que les choses s'arrangent, peut-être le temps de cicatriser un petit peu toutes ces blessures. Ici, il y a une nouvelle opportunité. Alors peut-être que certains vont passer d'une personne à l'autre. Hein. Peut-être que vous avez quelqu'un déjà dans votre vie. Ou là, c'est vraiment c'est un peu le cycle de la vie. Hein. C'est-à-dire quelque chose qui part. Accepter aussi de changement. Mais là, pour vous, il est vraiment temps de passer à autre chose. Donc pour moi, il y a vraiment un nouveau commencement ici qui vous attend. Donc, il y a quelqu'un qui vient d'éveiller aussi, hein, je pense qu'il va bien éveiller ou qui a déjà éveillé déjà ce côté amour, lumière. Donc, soit une nouvelle rencontre ou soit du renouveau dans votre vie sentimentale. Avec une personne avec qui ça n'a pas été facile peut-être. Hein. Donc, parce que vous avez quand même dû endurer. Mais j'ai envie de vous dire, les Verseaux, peut-être que c'est vous aussi qui avez enduré pas mal de blessures au cours de votre vie. Donc, le chakra sacré, donc, un retour à l'énergie, un retour au désir, un retour au plaisir, c'est charnel, hein. Donc, pour moi, vous êtes vraiment dans la communication ici. Un retour à la communication. Alors, je vais voir parce que ici, il y a quand même quelque chose ici qui vient vous transformer, qui vient vous bouleverser, bouleverser votre vie, mais c'est positif, déjà. Donc ici, le chakra sacré, c'est vraiment, on va être dans de belles émotions au cours de ce mois de mai. Ici, on pourrait voir qu'il y a du désir, il y a de la sexualité, là, au rendez-vous pour ce mois de mai. Il y a également aussi de la communication. On nous dit que, du coup, il y a un petit peu, là, il y a un début, hein, donc un début d'une nouvelle aventure pour vous. Vous verrez de comment ça vous parle. Et je pense qu'ici, on va plutôt mettre fin à ces conflits mentaux. Ou par rapport à ce que vous avez vécu, parce que là, j'ai un retour au désir, un retour à la sexualité, au désir, et surtout, moi, je pense que là, ça nous parle d'épanouissement, de nouvel éveil ici, de nouvelles rencontres, faire le deuil d'un passé pour passer à autre chose. Le début de la prospérité également. Voyez, on va sur de nouveau, on va s'investir peut-être aussi vers un nouveau projet, vers une nouvelle personne. Il y a encore un peu de conflit ici, mais on va voir pourquoi. Bah, par rapport aux expériences du passé. Voilà, c'est pour ça qu'il y a encore un peu de conflit. En fait, c'est un manque de confiance en vous, peut-être un manque de confiance en l'autre. Les conflits que vous avez, c'est par rapport à, je pense que vous avez rencontré, tous les conflits que vous avez rencontrés dans votre vie ou toutes ces épreuves par lesquelles vous êtes passé. Cette sagesse, on voit bien qu'il y a une question ici d'avoir quelqu'un, donc qui a de la maturité. Vous avez aussi cette maturité, mais aussi vous avez la sagesse ici. Hein? Donc voilà, peut-être que vous allez prendre votre temps dans cette relation. C'est une relation, mais vous allez reprendre vos forces, hein, de toute façon. Hein. Donc ici, je pense que ça peut nous parler d'attente, d'avoir vraiment confiance l'un à l'autre avant de vous projeter plus loin. Alors, je vais juste chercher. Alors, juste un petit message sur le conflit. Alors, c'est conflit mental, hein, donc. Alors. Qu'est-ce que je vais mettre sur le conflit? Qu'est-ce qui va tomber? Alors, je pense que les conflits, ça peut nous parler aussi. Vous n'êtes pas encore ouvert à l'ana. Ou peut-être que vous n'osez pas vous ouvrir non plus. Je pense qu'il peut être question ici de manque de confiance par rapport à les histoires, par rapport à ce que vous avez votre vécu ici, hein. Voilà, donc peut-être que c'est quelqu'un aussi, hein, peut-être
peut-être que vous êtes en communication et que là, vous pouvez vous découvrir. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui vient vers vous. Alors, est-ce que c'est une relation aussi où vous avez rencontré des hauts et des bas, où c'était difficile pour vous, parce qu'on peut nous parler d'une relation secrète, mais ça peut être une relation aussi qui avance lentement. Alors, ça peut nous parler aussi d'une relation à distance où là, il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein, quelqu'un qui vient vers vous. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les Verseaux, mais alors, c'est quelqu'un qui peut aussi vous redonner des nouvelles. Voilà, en tout cas, moi, j'ai quand même quelque chose de sain aujourd'hui. Hein. Donc, quand j'ai de sain, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui qui est prêt vraiment à construire quelque chose de sérieux avec vous, ou vous qui êtes prêt ou prête à construire quelque chose de sérieux avec vous. Donc, je vois qu'il y a de la communication. Alors, soit que vous étiez dans une relation secrète, ou c'est simplement une relation que vous allez prendre le temps nécessaire, en tout cas, pour reprendre ce pouvoir, cette confiance, en tout cas, d'aller et de vous engager de nouveau dans une relation. Alors, vous verrez comment ça vous parle, les Verseaux. Allez, on va continuer avec un autre oracle. Alors, on va prendre l'oracle coup de cœur, voir un peu de quoi ça nous parle, voir un petit peu ce que l'on a d'autre comme message hein, pour vous. Alors, on va aller chercher les petits messages. Côté cœur pour le mois de mai, pour les Verseaux. Alors, là, soit on a mis en stand-by, il y a des montagnes, il y a un cœur ici brisé, il y a des choses à régler ici, hein. Pour certains Verseaux, il y a des choses à régler. Alors, on va voir. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, là déjà, je vais remettre quatre messages pour vous. On va voir un peu parce que là j'ai quand même quelque chose. Bon, il y a un changement par rapport à une relation secrète. Alors, je continue. Allez, encore un. Mettez-le, nos amis, s'il vous plaît. Voilà, on a le masculin ici et on a le break. Hein. Je pense qu'il y a un break. Hein. Il y a un break qui a dû être fait là, ici. Hein. Moi, j'ai un couple ici. Alors, j'ai la féminine, la trahison. Oh, oui, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc, on verra, vous verrez comment ça vous parle, mais. Oui, il y a, pour moi, il y a un break avec personne féminine ou un masculin ici. Hein. Alors, ici, je pense qu'on parle que là, vous avez eu le cœur brisé. Alors, je pense qu'il y avait une progression d'amour. Vous étiez peut-être destiné comme si c'était votre destin, cette personne. Mais moi, j'ai quelqu'un ici qui vous a barré un petit peu la route. Alors, c'est des obstacles, c'est par rapport aux des épreuves. Vous êtes passé par une situation d'épreuve ici. Peut-être quelqu'un qui que vous aimiez ou peut-être l'amour était là, mais elle était inaccessible. Alors, je pense que vous avez quand même gardé la foi, mais c'est un petit peu les montagnes russes ici, avec aussi cet aveuglement et l'illusion que j'ai ici. Hein, donc, c'est un petit peu le chamboulement ici, mais on voit bien qu'il y avait quand même progression de l'amour. Donc, on voit bien quand même que bah pour vous, c'était la personne de votre vie, tout simplement, mais en fait, c'est quelqu'un qui vous a un peu brisé le cœur. Parce que il y a peut-être des projets, mais des projets, ben, ils sont un petit peu bloqués. C'est des projets qui ont été remis en question. Cœur brisé, c'est un moment de déprime, quelqu'un qui vous a blessé sentimentalement ici. Alors, je pense qu'ici, on peut nous parler d'une séparation. Hein, voilà. Séparation. Alors, il y a peut-être une reprise, puisque moi, j'ai un changement. Alors, pour moi, ça peut être une relation secrète ici, avec qui vous avez fait un break, parce que j'ai quand même ici du changement, mais
comme si que votre relation, elle était tenue secrète. Alors, est-ce que c'est une triangulaire ici que vous étiez en triangulaire? C'est fort possible. Alors, faites attention, enfin, faites attention. Ça peut être une triangulaire, donc oui, une triangulaire, mais il peut être question d'une grossesse cachée ici. Voilà. Donc, une grossesse cachée. Alors, il y a des déplacements, évidemment. Donc, pour moi, c'est une relation à distance où il pouvait être question de déplacement pour se voir, pour passer des moments ensemble. Et tout d'un coup, voilà, il y a eu des révélations. Alors, pour moi, c'est quelqu'un, peut-être qui n'est pas libre, hein, quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un qui ne vous a peut-être pas dit toute la vérité. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui, ben, en fait, il a fait un enfant avec sa femme, ou vous, peut-être que il y a peut-être aussi ce bébé aussi, hein, parce que ça peut annoncer une grossesse cachée. En tous les cas, on nous parle ici, bien sûr, d'une rupture. Mais je l'avais déjà ici, le cœur brisé, les montagnes, c'est quand même un cœur qui est brisé où on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. J'ai cette rupture également qui vient encore renforcer. Donc pour moi, vous allez couper net, hein. Vous allez vous séparer avec quelqu'un pour votre bonheur ici. Hein. Voilà. Pour moi, il y a pas mal de blessures aujourd'hui. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, vous avez mis un sens interdit à cette personne ici. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'agir parce que vous avez pris conscience que c'est quelqu'un qui vous a peut-être menti, qui ne vous a pas dévoilé toute la vérité. Mais en fait, c'est quelqu'un, voilà, pour vous, c'était la femme, l'homme de votre vie. Vous verrez comment ça vous parle ici. Mais c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Il y a une fragilité aujourd'hui, il y a des blessures, il y a des blessures d'âme aussi. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, je pense, que vous avez bloqué. Alors, soit c'est vous qui l'avez bloqué, ou c'est peut-être l'autre également, hein. Alors, cette interdiction, je pense que c'est vous, hein, aujourd'hui qui ne voulez plus aller dans le sens. Voilà, vous avez fait demi-tour. Cette personne n'est pas libre, je pense. Et pour l'instant, vous avez envie de stopper, hein. Je pense que c'est peut-être une relation que vous avez découverte par hasard, parce que je pense que cette personne, ben, ne vous a pas, peut-être pas tout dit la vérité, mais je pense que vous auriez pu avoir des soupçons, parce que, voyez, moi j'ai quand même des hauts et des bas, mais vous avez été à l'écoute de vos ressentis. Moi, cette santé ici, c'est quelqu'un qui est quand même à l'écoute de ses ressentis. C'est un petit peu toute cette émotion ici qui vous a peut-être que vous l'avez dévoilé, hein, peut-être que vous avez aussi dévoilé ce secret. Alors, moi, j'ai quand même ce break ici, hein, donc vous voyez, pour moi, c'est la fin de toute façon. On me parle bien du consultant et de la consultante ici, mais bon, je pense que c'est quelqu'un qui vous a trahi, tout simplement, hein. Il y a une trahison. Alors, est-ce que c'était une triangulaire? Est-ce que c'est vous? Est-ce que ici, il y a un bébé qui a été caché, qui a été fait derrière vous? Vous verrez. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment beaucoup de blessures, hein, déjà. Et puis, c'est la fin de cette relation. Hein, voilà, vous allez couper avec tout ça parce que c'était quand même une relation plutôt négative. Hein, c'était une relation qui ne pouvait pas aboutir. Hein. Même si les choses, quelquefois, ont pu s'arranger. C'est une relation dans lequel ou laquelle il n'y a pas d'issue. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, les amis. On n'a pas vraiment des belles énergies pour vous, les Verseaux, côté cœur. Voilà. Alors, on va aller voir avec. Attendez, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Non, l'oracle de l'amour, excusez-moi. L'oracle de l'amour. Pour nos Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Alors, je vais déjà voir à la coupe ce que j'ai. Alors, à la coupe, ben, en fait, j'ai comme si que vous étiez très prudent ou très prudente, parce que, alors, soit c'est un centre d'intérêt, donc les finances, parce que, voilà, on peut être aussi attiré, pour certaines personnes, on peut être attiré par de l'argent, par une situation plus matérielle. Et pour d'autres, on verra que vous êtes prudent parce que vous avez l'impression que l'autre vous aime moins que vous vous l'aimez. Hein. Il y a aussi ou quelqu'un qui campe sur ses réserves, qui ne dévoile pas ses sentiments, c'est fort possible. Mais c'est quelqu'un aussi peut-être qui vous donne pas, qui ne dévoile pas trop ses sentiments, mais quelqu'un qui sera un petit peu égoïste aussi. Hein, voilà, qui campe sur ses réserves, vous voyez, qui ne se dévoile pas, qui vous dit.
qui vous disent pas les mots gentils, les mots que vous auriez, que vous aimeriez à entendre. Hein. Voilà. Alors, on va voir les Verseaux. Hein. On va voir les Verseaux. Alors, c'est pourtant quelqu'un qui est généreux, mais en fait, il y a plein de questions qui se bousculent dans votre tête par rapport à... Alors, peut-être vous aussi, hein. La générosité, la bonté, mais on voit que là, vous traînez un boulet, vous avez envie de vous libérer là. Peut-être que vous avez été trop généreux, hein, ou généreuse ici. Trop dans la bienveillance, moi j'ai quand même de la peine. Donc peut-être trop de générosité, mais rien en retour. Moi j'avais quand même à la coupe quelqu'un qui était dans l'égoïsme, hein, la part d'ego, trop d'égoïsme. Aujourd'hui vous êtes un peu bouleversé, hein, vous voyez. C'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir à cette relation qui est sombre d'ailleurs, hein. On voit que ici vous êtes en train de. Alors il y a de multitudes de questions qui se bousculent en ce moment dans votre tête. Parce que votre amour est en chute libre, malgré aussi cette bonté que vous avez donnée. Vous avez donné beaucoup de vous, c'est comme si que vous n'aviez rien en retour. Donc pour moi, c'est l'amour qui est en chute libre. Et peut-être que là, en ce moment, vous avez un peu de mal parce que vous avez envie de vous libérer. C'est un petit peu le boulet ici, avec ces difficultés de rompre, ces difficultés de s'éloigner. Alors, les réconciliations, je pense que, voilà, on peut parler aussi que vous avez fait aussi des tentatives où il y a eu aussi des réconciliations, des reprises, après des moments de crise, de disputes, de conflits, des peines de cœur, puis des réconciliations. Mais il y a toujours cette, vous voyez, je vous disais, cette part d'ego démesurée, hein, d'ailleurs, puisqu'on veut toujours contrôler l'autre. Vous voyez, cette relation d'emprise ici. C'est un petit peu ambigu parce que c'est un petit peu comme le chat à la souris. C'est quelqu'un qui essaye de se soumettre à l'autre, hein, ou d'autre parce que l'autre veut toujours dominer. Quelqu'un qui peut employer de la ruse aussi dans ce jeu, mais qui crée plutôt une atmosphère électrique. Hein. Donc pour moi, il y a de la tension. Là, il y a de la réconciliation, mais c'est venu revenu au galop. Hein. Quelqu'un qui est vraiment comme ça. Et voilà, c'est un peu la carte de l'illusion parce que les promesses, peut-être, n'ont pas été tenues. Promesse non tenue. Donc ici, eh bien, sur cette réconciliation, évidemment, il y a ce manque de confiance aujourd'hui. Alors peut-être aussi que cette personne veut revenir aussi actuellement dans votre vie. Hein. Et là, on voit bien qu'il y a pas mal de questions qui se bousculent. Vous n'avez peut-être pas envie aujourd'hui de revivre les mêmes situations. Hein. De quelqu'un qui dit qu'il a changé. Voilà. Il n'y a pas d'illusion. En fait, vous n'avez plus envie. Ou simplement, vous êtes aperçu que cette personne n'était pas vraiment la personne que vous auriez aimé qu'elle soit. Quelqu'un qui peut se dissimuler derrière un masque, de toute façon. Et ici, on nous parle que, voilà, il vous manque quelque chose. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de concrétisation à cette relation. Alors, je vais quand même remettre une carte sur la... Ouais. Sur la concrétisation, moi, je pense que non. Ça va pas être possible, hein, parce que je pense que les réconciliations, vous en avez déjà eu, vous avez déjà souffert. C'est quelqu'un qui peut vous promettre aussi de retour à la stabilité, que je vais faire des efforts, mais... Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà. Donc, pour moi, il y a déjà eu des efforts de fournis. Donc moi, il y a déjà eu des retours ici, hein, voyez, au foyer, parce qu'on me parle de retour à la stabilité. Là, au début, c'était beau, c'était tout nouveau, c'était beau. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait, mais voilà, vous êtes. Pour moi, c'est la rupture. Hein, voilà. Pour moi, il y a une rupture définitive ici. Hein. Voilà. Bon, bah, les Verseaux, hein, pour le mois de mai, c'est pas du top top. Si, je crois que le premier tirage était quand même pas mal. Mais voilà. Alors, on va aller voir avec le tarot. Non, pas le tarot, l'oracle. Comment il s'appelle celui-là d'ailleurs? L'oracle de Marlowe. Allez. L'oracle de Marlowe, puis j'irai compléter avec le tarot. Voilà. Allez, l'équilibre. Bon, ça, là, c'est déjà mieux, hein. L'équilibre. Donc, il y a, ben, écoutez, il y a l'équilibre, il y a la vérité. On nous parle de passion.
Allez, sur le mot verso pour le mois de mai. Pour le mois de mai. Alors, ça tombe, hein. Voilà. On a, nous parle d'indépendance, de guérison. Donc, on va voir de quoi ça nous parle. Alors, on va continuer. On va aller rechercher d'autres messages. Alors. Hop. On nous parle de temps, donc on verra bien. Le temps a plus ou moins d'importance, ou le temps peut nous paraître long, même si c'est pas long. Ça s'appelle de l'impatience. Allez, on nous parle ici de nostalgie, le Verseau, et puis il y en a trop, donc je ne prends pas. Allez, s'il vous plaît, un dernier petit message. Je vais prendre celui-là. Alors, je vais aller voir au dos de deck. Donc, ici, on nous parle d'éloquence. Donc, c'est plutôt pas mal. Éloquence, c'est quelqu'un qui a des réparties, quelqu'un qui a de l'humour, quelqu'un qui est enrichissant, mais quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Sauf que cette personne ici, eh bien, c'est quelqu'un qui a été toxique pour vous. Alors, l'absence, c'est quelqu'un qui pouvait être absent. Mais ici, cette absence peut nous parler que c'était pas, c'était quelqu'un qui était peut-être souvent indisponible. Hein. Est-ce que vous êtes séparés malgré qu'il y avait une bonne entente, hein, peut-être des choses qui ne vous convenaient pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pris la fuite? Est-ce que c'est quelqu'un qui était absent, qui était souvent indisponible? Parce que c'est peut-être quelqu'un aussi qui avait la stabilité quelque part d'un autre côté. Hein, voilà, donc il y a cette observation également. Et je pense qu'on peut nous parler que malgré tout, il y a eu pas mal d'opposition ici et que vous avez eu bien sûr du mal à vous projeter, bien sûr, parce qu'il y avait des malentendus. Des malentendus, pourtant, on vous dit que vous avez eu de la patience. Il y avait du glamour, mais en fait, vous avez pris cette décision ici. Hein. Il y a une décision qui a été prise parce que je pense que vous a demandé beaucoup de patience, des malentendus aussi, mais à un moment donné, vous avez eu du mal à vous projeter. Il y avait des oppositions. Il y avait une personne aussi, vous étiez en désaccord d'ailleurs hein, avec cette personne. Malgré que, on voit bien que c'est quelqu'un avec qui vous étiez bien, hein, parce qu'on voit bien que il y a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui vous enrichit, mais c'est quand même une relation malgré tout qui était toxique, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas disponible quand vous l'auriez souhaité. Alors, pour X raison, hein, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors, ici, pour d'autres, parce que voilà, c'est peut-être pour d'autres personnes, ici, on nous parle d'équilibre. Donc l'équilibre, c'est pas mal, puisque ici, on est vraiment dans l'harmonie, dans l'équilibre. Est-ce que vous avez trouvé la personne? Peut-être que vous l'avez déjà dans votre vie, mais il y a des vérités. Alors l'équilibre et les vérités, je pense que c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est authentique ici. On voit bien que c'est une belle passion que vous êtes en train de vivre, certains Verseaux. C'est beaucoup, c'est le coup de cœur, c'est une passion, c'est. Voilà, peut-être vous devez aussi. Alors, cette indépendance, on verra après ce que ça veut dire, hein, parce qu'on a quand même cette indépendance, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui est tout à fait libre, tout simplement. Hein, l'indépendance, c'est quelqu'un qui est libre. Alors, peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui est libre d'ailleurs. Donc ça fait pas de il n'y a pas de mystère hein, puisque c'est quelqu'un qui est vraiment dans la sincérité. Ça vient un petit peu vous guérir votre cœur. Est-ce que vous sortez d'une mauvaise relation, une mauvaise situation hein? Ça c'est fort possible. Mais en tout cas, on vous parle que cette personne qui arrive, qui revient équilibrée, qui arrive, qui vient équilibrer votre vie, pour vous c'est quand même une sorte de guérison. C'est un soulagement aussi hein, c'est une délivrance pour vous. Donc le temps, bien écoutez, le temps, ça joue à votre faveur. Ça peut nous parler d'attente. Alors, cette nostalgie, je pense que ça peut nous parler de regret, même pas de regret. Pour moi, c'est que vous ruminez aussi dans cette relation, parce que vous ne savez pas vraiment où vous allez, malgré que c'est quelqu'un qui est vraiment indépendant. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas s'engager non plus, hein. Mais il y a quand même une certaine simplicité dans votre relation. Donc c'est la franchise, c'est la spontanéité, c'est vraiment le naturel. Alors je pense que ici, ce qui vous embête aussi, cette nostalgie, ça peut nous parler que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Hein, voilà, qui vous dit, moi je veux rester indépendant, on est bien comme ça, et voilà.
autant continuer comme ça. Hein, vraiment, c'est ce que je pourrais ressentir avec ces énergies-là. Hein. Voilà. Voilà, c'est plutôt ça la nostalgie que vous avez, puisque on voit bien que c'est quelqu'un qui préfère rester indépendant, mais c'est quelqu'un qui est généreux, qui est dans la sincérité, dans l'honnêteté. Hein, voilà. Allez, on va aller faire un tour du côté des tarots, et puis après on ira chercher des petits messages pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Alors, ici les Verseaux pour le mois de mai. Allez, mon mois de mai, s'il vous plaît. Alors, on a la boussole ici. Alors, on peut nous parler qu'il y a des directions opposées, donc c'est peut-être un chemin de vie ici qui se sépare hein, par rapport à des choix. Des choix que vous avez faits. Hein, voilà. Donc ici, moi, j'ai quelqu'un qui a pris peut-être une autre direction qui est bien réfléchie, parce que j'ai quelqu'un qui a osé. Qui a osé faire le premier pas. Hein. Alors, on va voir si c'est le premier pas par rapport à une séparation ou si c'est le premier pas vis-à-vis de quelqu'un, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer. Alors, il y a une reconstruction ici, hein. Donc déjà, il y a un développement personnel, il y a un petit peu le fait de guérir ses blessures. Donc pour moi, il y a une reconstruction ici. Vous êtes en reconstruction. Je pense que vous venez de quitter quelqu'un, en tout cas, ou c'est un petit peu un chemin de vie qui vous a séparé. Vous avez osé faire le premier pas, faire le saut. Et là, vous êtes dans une reconstruction, donc dans un développement personnel, hein. C'est un peu la reconstruction pour guérir vos blessures ici, hein. Alors ici, moi, j'ai quand même un nouveau projet, un point de départ, un nouveau point de départ pour vous. Je m'en doutais que j'en avais deux. Alors ici, vous êtes en train de vivre des moments présents ici. Alors peut-être que c'est vous qui avez fait le premier pas envers quelqu'un d'autre, ou vous êtes en train de comprendre l'autre, ou vous êtes sensible encore émotionnellement, vous verrez comment ça vous parle. Non, c'est un coup de foudre. Donc, je pense que là, vous êtes en reconstruction. Vous avez pris le moment, bien sûr, de cicatriser un peu ces blessures. Et là, vous êtes vraiment dans la sensibilité émotionnelle par rapport à des moments que vous vivez. On voit que vous êtes en train de vous connecter dans le moment présent. Et moi, j'ai un coup de foudre. Donc, pour moi, il y a vraiment une reconstruction avec quelqu'un vraiment où vous avez eu un coup de foudre. Hein. Pour moi, il y a un coup de foudre pour vous. Hein. Alors, même si vous avez du mal à vous projeter encore pour le moment, parce qu'il vous faut gommer aussi le passé. Vous voyez, c'est un peu gommer le passé, oublier, mettre fin à tout ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Bon, en tout cas, le coup de foudre, il est là et je pense que vous êtes en reconstruction ici. Hein. Alors, évidemment, vous n'allez pas vous voiler la face parce qu'on voit bien qu'ici, il y a une reconstruction. Il y a le fait que là, vous êtes en train de gommer toutes les erreurs du passé, tout ce que vous avez vécu également. Et ici, moi, ce coup de foudre carré, vous êtes en train de vous reconstruire, mais vous n'avez plus envie de commettre les mêmes erreurs. Hein. Donc, vous n'avez pas envie de commettre le même schéma, les mêmes erreurs. Donc, il y a beaucoup de remises en question quand même hein, sur cette nouvelle relation. Mais on va voir après ce que j'ai d'autre pour vous. Eh bien, écoutez, pour moi, vous allez bien sûr ouvrir une nouvelle page blanche. Hein. Donc, pour moi, vous allez repartir à zéro. Vous allez passer à autre chose. C'est-à-dire que vous avez oublié. Vous allez gommer un petit peu tout ça. Et puis moi, j'ai quelqu'un ici qui, voilà, qui vous promet des choses, mais qui va vous. Ce qu'il vous promet va comment? J'ai quelqu'un dans la sincérité, je n'arrivais pas à trouver le mot en fait. Hein. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Quelqu'un qui vous promet, mais qui va tenir ses promesses. Voilà, vous. Bon, pour moi, il y a à repartir à zéro dans une relation hein, avec lequel vous avez eu ce coup de foudre, hein, les amis. Hein. Voilà, vous nagez en plein bonheur ici. Vous êtes en plein conte de fées ici. Vous avez un petit peu la tête dans les nuages ici. Hein, voilà.
Donc, c'est plutôt positif pour les Verseaux. Alors, je vais aller chercher un petit message des couleurs pour le premier, deuxième et troisième décan. Alors, pour le premier décan, s'il vous plaît, pour nos Verseaux pour le mois de mai. Allez, Verseaux, deuxième décan. Deuxième décan. Et message pour le troisième décan. Allez, on va passer celui-ci. Alors, pour le premier décan, nous avons le bleu pétrole. Alors, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Deuxième message, nous avons le corail. Donc, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Et pour nos troisième décan, nous avons la couleur, le coquelicot. Donc, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voilà, cher Verseau, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, de belles réussites, parce que l'amour, c'est vraiment important. De s'aimer aussi, d'ailleurs, c'est important. Donc, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, un excellent, un très bon mois de mai. Je vous embrasse bien sûr toutes et tous et puis je vous dis à très vite. Et puis n'oubliez pas, hein, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner bien sûr à ma chaîne. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.